entre respect des règles imposées par ses créanciers et l'Union européenne et mise en œuvre de ses promesses électorales, c'est un véritable grand écart auquel est contraint le gouvernement grec. Mais même après les derniers développements, les Grecs dans la rue semblent toujours lui accorder leur confiance. Nous avons souffert pendant des années de l'austérité, cela aurait été injuste qu'il n'y ait pas d'accord, pour autant que cet accord soit mis en œuvre. Nous devons rester dans la zone euro, c'est ce que nous voulons tous, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut que nous trouvions un compromis avec nos créanciers. Bien que le gouvernement grec de la gauche radicale soit finalement parvenu à trouver un accord avec ses créanciers, il est encore loin d'être sorti d'affaire car il doit à présent tenir rapidement les promesses faites à la fois à ses partenaires européens et au peuple grec qui, il y a tout juste un mois, a porté le parti Syriza au pouvoir.